C'est nous expliquons qu'on va faire le même champagne. Et pour semaine prochaine, non? Ça ne vient pas à l'avoir, je dis, ça ne vient pas à l'avoir de. Et question qui est pour avec l'immigration, nous connaissons l'administration Biden a pris quelques décisions dans 2 semaines qui passaient là-haut, et le président vient avec 2 décrets. Et côté, un côté, non, premier décret, il était demandé soulager Santa Carole, et même soulager. Ou encore t'es limité quand t'es immigrant qui est capable de demander asile sur frontière, donc t'es pour entrer aux États-Unis ou chercher à traverser frontière illégalement, ou mettre un sourd, et bien, ou pas éligible pour demander asile. Ça, c'était un décret que les républicains, ils critiquaient, ils disent que c'est pas, il pas suffit, et que toujours après reprocher le président, que comme responsable qui l'ouvre frontière pour permettre que l'immigrant illégal vienne aux États-Unis. Dans la semaine qui s'est passée là encore, le président prend l'autre décret encore qui lui-même soulager les immigrants qui sont déjà aux États-Unis, mais qui vivent aux États-Unis illégalement. Les immigrants, c'est eux-mêmes qui, en principe, et c'est pour conditions qui viennent eux, en attendant son décret qui va entrer en application à partir de pendant l'été à là. Eh bien, les avis avec modalité, conditions qu'on doit réunir, documents qu'on doit bail, qui a été forme qu'on doit remplir, quand c'est l'argent qu'on doit payer. Mais, il dit qu'il faut, un principe qu'il faut qu'on soit marié avec un citoyen américain, et qu'on ait 10 ans, de pouvoir vivre dans le pays illégalement, à partir de 17 juin, jusqu'à 17 juin 2024. Donc si au 16 août t'es marié à un Américain, vous êtes censé, d'après l'expert, vous êtes censé éligible, mais faut que vous-même, qui bénéficiaire, faut que vous-même, vous gagnez 10 ans pour vivre dans le pays, mais vous vivez de façon illégale. Donc, il y a un avocat qui explique, et qui ça, ça veut dire illégal là, tant qu'on t'entre, ou pas d'entrée, par exemple, ou pas passer officiel, non, pas d'entrée, ou pas de venir dans l'aéroport, ou pas de passer sous frontière, non, pas d'entrée, ou, mais on t'est venu quand même, on entre aux États-Unis. Quelle voie façon t'es venu aux États-Unis, hein? Ou t'es quand t'es venu dans le canté, ou t'es quand t'es venu dans le bateau, comme travailler, puis pendant le bateau, on descend, ou t'es quand t'es dans le bateau croisière, et pendant le bateau, et puis bonjour, ou descend, ou pas retourner dans le bateau encore, donc ou est dans le pays, ou vit illégalement. Mais entre temps, on cherche à faire marier au monde avec espoir que bah t'as pas arrangé pour et puis leur fin de faire marier, leur réaliser que c'est pas ça immigration mando, immigration du non, faut aller en pays pour attendre 10 ans. Et donc que mon ça va pas aller attendre 10 ans en pays parce qu'avec risque ça gagne là-dedans, et bien on a décidé pour les dans le pays illégalement, à vivre dans mauvaises conditions, etc. Alors, et ça a 24 heures pratiquement et l'administration prend l'autre décision encore. Pour ça, c'est le document, c'est le monde qui est TPS. C'est TPS pour un série de pays. On sait de pays, tant qu'au Népal, et tant qu'au Salvador, Nicaragua, et pays ça. Et l'administration a renouvelé TPS pour eux jusqu'en mars 2025. Et, mais Haïti n'a pas figuré sous liste pays bénéficiaires. Pas oublier que Gaïs c'est tout qui est aux États-Unis mais qui sont dans le programme TPS là. Donc Gaïs n'est pas dans la liste, il n'est pas figuré dans le pays d'Haïti pas entré dans la liste que l'administration fait publier ça 24 heures, il fait bailler. Donc Mounsayo c'est alors femme dit non, d'après un avocat que me consulté que me parlé avec, il dit non, Mounsayo groupe pays ça c'est des pays qui ont un problème déjà qui était dans le tribunal avec l'administration. Et ça t'est passé exactement sous l'administration ancien président Donald Trump qui t'a demandé pour Mounsayo de quitter le pays. Mais Mounsayo, il était allé dans le tribunal avec dossier. Et comme il était dans le tribunal avec dossier, et à chaque fois que le dossier dans le tribunal, il peut le faire coucher, mais pour le dossier pas expiré, l'administration, bah, moun qui est dans le dossier, ça, il y a une extension pour TPS. En attendant que le tribunal fin pas prononcé sous dossier c'est là. Donc moi ça qui un dossier qui a fini en mars 2025, c'est eux même. Donc si nous Haïti pas là-dedans, c'est Haïti pas figuré sous liste ça, c'est parce que Haïti pas dans process ça. Donc si nous même nous dans CPS pour Haïti et m'a demandé nous prendre patience toujours. Prendre patience que l'administration gagne pour prendre décision. Si nous connaît que tout le monde qui est dans CPS sur Haïti yo, dossier yo encore CPS a expiré en août, ou 3 août 2024. Donc,
la loi bah l'administration yon opportunité l'administration gagne 2 mois 60 jours pour lui désigner ou bien encore pour lui prononcer sous question encore pour renouveler ou bien bah un pays TP il gagne 60 jours pour le faire donc je dis à nous non je dis à combien je dis à non je dis à 21 juin donc l'administration gagne jusqu'au 3 août donc il dans fenêtre de semaine non 2 mois il dans fenêtre ça. Mais d'ordinaire, l'administration toujours prononcer le plus bonheur. Il partent de ces 3 août pour le prononcer. Alors, il y a 2 dossiers qui devant, que militants, cap défendre immigrants haïtiens surtout. Eh bien, il y a 2 dossiers qui devant l'administration, d'abord, qui a négocié avec l'administration. Il y a un côté d'abord, c'est, renouveler TPS pour monde qui déjà a un TPS. Monde qui ici depuis pratiquement début 2010, si c'est pas même avant, et qui sur TPS. Donc, demander pour renouveler TPS pour ça. Et puis, non, l'autre dossier que les migrants ont discuté toujours, c'est redésigner Haïti dans un nouveau programme TPS pour inclure nouveau monde qui partent dans TPS. Yo. Pour tout le monde qui était dans le pays légal ou illégal, c'est-à-dire qui dépassait ses jours, mais qui était rentré non pas quand même, était venu aux États-Unis, et bien pour tout le monde, ça, militants a demandé et a négocié avec l'administration pour que l'administration considère le groupe Mounsayo. M'a parlé après Jovenel, c'est dans les TPS, ça c'était après Jovenel, après enterrement, après assassinat ancien président Jovenel, défunt président Jovenel Moïse. Eh bien, depuis les ça, il y a des monde qui rentré entre temps. Donc, monde qui rentré entre temps, eh bien, monde ça, yo là. Yo dans le pays, eh bien, yo même, yo par un TPS, parfois, visa expiré, et comme visa expiré dans le moment ça, eh bien, tout le monde ça, yo par un TPS. Donc, c'est monde ça, que militants, yo, censé négocier pour yo, pour que yo même, yo vienne inclure, dans le nouveau programme TPSA, si on désigne Haïti dans le nouveau programme TPSA. L'autre part encore que militaire a négocié toujours avec l'administration, c'est monde qui vient dans le programme Biden. Donc, tout le monde qui vient dans le programme Biden, son contrat que lié, et son contrat 2 ans lié. Okay? Après 2 ans, si l'administration va prendre l'autre décision, eh bien, après 2 ans, tout le monde qui est dans le programme Biden, après 2 ans, fin de faire dans le pays, ou de retourner à la CAE. Rappelons que 2 ans, contrairement à ça, on peut comprendre qu'il était commencé à partir de 2023, janvier 2023. Eh bien, et pas ça. Dès pour entrer aux États-Unis, quel droit leur entrée à, eh bien, autorité la douane, ou bien immigration, CBP, y'a bon, on visa, on permet de séjour pour être dans le pays pour 2 ans. Par exemple, soit aux États-Unis, je dis, eh bien, y'a bon, on permet de séjour pour 2 ans. Ça veut dire que 23 juin, ou bien 21 juin 2024, eh bien, bon, on permet de séjour qui a fini 20 juin 2026. Donc, 2 ans par écarté. Donc, ce sont 2 ans qui cachent, qui garantit, quel que soit l'ordinaire, on obtient rien 2 ans. Donc, c'est ça que mon dieu, bien connaît. Donc, il n'est pas commencé en 2023. Donc, qu'on y a tout le monde bien connaît, groupe monde qui parle gain 2 ans yo les gain 2 ans qui s'administration va faire avec yo est-ce que après bah extension est-ce que après débuter un peu mais au départ c'est un contrat 2 ans que lié l'administration dit on va faire 2 ans après 2 ans pour retourner dans pays yo mais programme tant que programme nan là son gouvernement démocrate et puis programme n'a continuer gain monde qui dit que si un gouvernement républicain vient est-ce que pas changer bon c'est droit et gouvernement pour les décider ça le fait parce que son décret qui dépend, c'est pas un bail, qui est pas une proposition de loi que le Congrès a voté, non, puisque c'est pas un projet de loi que l'administration te soumet par le Congrès, comme le Congrès a voté que l'administration signe. Donc, c'est un décret, tout simplement. Et un décret, un autre décret capable d'annuler. Et c'est ça. Par exemple, le président Biden a fait ça en 2021, l'a monté, il y a des décrets que le président Trump te prend, et bien, il te prend lui-même, il prend l'autre décret, il annule le décret que le président Trump te prend. Donc voilà, c'est ça. Donc, nous n'avons pas besoin de paniquer, nous. Retendre officiellement que l'administration d'un bagaille sous bagaille de CPSA. Il y a deux bagailles nous aimé, il y a deux bagailles qui a parlé, que les militaires a parlé avec les immigrants, il a parlé en faveur de nous. D'abord, renouveler TPS pour Haïtiens qui ont TPS déjà, c'est maximum, c'est 18 mois. Et puis, il a demandé pour l'administration redésigner Haïti pour inclure plus de monde qui n'était pas de TPS, mais qui a un séjour fini aux États-Unis. Il a demandé pour inclure le monde ça. Et troisième catégorie, il a demandé qu'on ait assez monde Biden, qui vient aux États-Unis depuis, en fait, depuis les
Et dès que ça a été passé en 5 janvier 2023, et bien, les gens qui sont venus sur le programme Biden, le programme humanitaire parole là, et bien, depuis, les gens ça a demandé tout pour inclure tout là. Donc, c'est là pour nous faire un petit temps. Et les capables pas prendre trop pour nous jouer une réponse. Et bien, avec plaisir, moi, là, qu'il y a un gros autre au bruit là, un gros invité là, qui sorti, et dans grand terre, mes amis, dans grand terre, l'autre bord de l'eau, mais qui traversait de l'eau. Alors, France et Anglais, ou gonjan, ou ils l'ont mis à lac, et pond, ils l'ont son lac, et bien, nous gagnons, bon, qui nous présentait tout le bâtiment, les spectateurs là-bas, dans les habitués déjà, oui. Et bien, dis-moi qui ont eu les noms. Eh bien, c'est Jedems, eh bien, nous sommes dans la ville Lumière. Ouais, la ville Lumière. Nous, quand mon enfant, ça, on va payer dans le rue, il y a tellement de bois divin. Quand on est sous là, on dit. Non, tu vois. Pourquoi divin dans l'avion? Ouais, c'est cognac. Oui, parce que l'avion, c'est plus beau côté de l'opéra aller. Il y a bien traité au dollar à bord avion qui parle en France, parce qu'il y a bois divin. Ça dit, et au bois, on peut l'avoir arrivé là. Non, 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 bois divin, non, non, bois de cognac, non. Et puis, si, recette française, non. Bon, moi, c'est un peu de baguette, ou ici, à sous, mais baguette, non, mais non, côté pour lâcher baguette. Je vais pas me trop sentir isolé, en fait. Okay, c'est okay. Ça. Donc, pour tout le sens, c'est quoi la carrière? Gedems, ça mène aux États-Unis. Ah, ben, justement, moi, la carrière, moi, je viens de la famille. Je viens de la famille. Et c'est accueil là tellement chaleureux, et moi, ému. Donc, par contre, c'est mon cap gado là sur Facebook, hein. On dirait, hein. Ah, bon, on va saluer tout auditeur, tout téléspectateur, toute fanatique nous, oui. Hein, fanatique de lumière, oui. Salut nous, salut particulièrement la communauté haïtienne de France, forme que gagne une équipe soudée tous les soirs cap veiller actualité et communauté là. Malgré différence là. Malgré ça. Ça va déranger. Ça va déranger. Il y a pris tant surtout les grands événements, surtout les actualités politiques là un peu chaudes, et il y a tant pour que moins pour tes informations hein, sauver au accueil parce que. Et à la base, c'est l'unique média haïtien qui est implanté dans la communauté haïtienne de France, là, qui est capable de bailler autant de largesse, autant de d'écho à l'information. Okay. Et c'est la voix de l'Amérique, à travers, et moi-même, en France, qui est capable de me dire toute l'Europe, parce que nous marchons. On est tout le continent en amont, là. Nous faisons marcher en pile, hein. Nous faisons marcher en pile. Donc, tout le continent, c'est la voix de l'Amérique. Et son fierté, pour que moi, pour tes chapeaux, ça, et mon papa, je me suspende, et remercier grand Dieu Jéhovah. J'ai un privilège, je veux dire, je chite à beaucoup de gens. Ouais. Je chite à beaucoup de gens. Donc, ils ont une icône, et malheureusement, je dis que nous comprenons c'est très spécial aussi pour Sergio Rodriguez, mais franchement, ça n'a pas gagné prix pour côté aux gens, parce que pour tout ce qui est représenté, pour tout ce qui est fait pour Haïti, pour les communautés de la diaspora, merci encore. Ah voilà, Gedems. Nous sommes contents, nous apprécions ça en pile, et nous contents qu'on vienne visiter nous. Donc, on va faire pratiquement 3 mois avec nos boys. J'ai 2 ans, ma frère. J'ai 2 ans. Justement, donc c'est malheureusement c'est en formation. Là, je vais en formation dans quelques minutes là. Puis après, m'a visité quelques institutions et après m'a visité PIA. Et puis n'a fait virer pour New York. Et puis n'a pas retourné la caille nous parce que communauté a besoin de nous et famille aussi. L'apprendre nous tout. Alors qu'on est sur à Paris, bon, nous connaissons Paris, c'est capable d'organiser prochainement les Jeux Olympiques d'été. Alors dis-nous qui j'ai ambiance et non et qu'on y a envie de Paris, qu'on y a pour question et compétition ça. Actuellement, esprit est très surchauffé et même au niveau de la communauté haïtienne de France, tout le monde est obligé de modifier programme yo. Bon, dans tout sens, dans le bon sens aussi, dans le mauvais sens. Parce que les gens qui étaient pour aller en vacances, ils ont préféré attendre les Jeux Olympiques là, ils ont dit bon, on va pas aller, après, il a fini à cet événement ça. Même si, pour la plupart, et les Parisiens, ou bien, ils n'ont pas de chance vraie pour assister avec oui, yeux par eux. Non, pas capable. Impossible. Pas moins. Impossible. Mais au moins, le gouvernement prend des mesures pour que les gens qui ne peuvent pas aller, par exemple, ils doivent aller sous Champs-Élysées, mais aussi de gros pancartes que les gens ne peuvent pas aller. Gros écran, etc. Mais malgré ça, toujours, Jérôme Babamanti, c'est impraticable. Ouais.
Mais mon panasse, mon nouvel, mon panasse quand même. Oui. Mon panasse. Son parisien, son parisien, son parisien. À Montparnasse, ouais, à la place des places de Concorde, et Tour Eiffel, etc. Ouais. Je pensais que c'est là tout pour le poilier. Et grand rassemble, grand rassemble. Les grands rassemblements, c'est là que VOA Créole, à travers moi-même aussi, m'a fait pour nous faire téléspectateurs vivre et moments ça, quelques dans moments ça, même si pas toutes, mais quelques dans moments ça, pour qu'ils soient capables de vivre après 100 ans, ils ont leur jeu olympique à Paris. Franchement, ça a mérité pour nous vivre. Et puis, la compétition a déroulé dans le même moment, côté sous-point politique, nous ne pouvons pas parler de ça. Et le président Macron a dissout le Parlement, et donc, pour gagner l'élection, c'est presque pratiquement dans la même période-là, ou presque. Le jeu olympique est bon pour le président Macron. Il est bon parce que ça permet que l'esprit antigène est écarté de la situation politique actuelle et pays la France en ce moment. Donc, parfois, les gouvernements ont besoin écartés de parce que chaleur politique là, parce que au gain et extrême droite là qui montait avec Madame Le Pen très en puissance avec Balela, monsieur qui trouvait dans bonne position et il a parlé même pour que c'est lui qui avait une premier ministre à la place de Gabriel Attal, etc. Donc et les présidents Macron ont besoin ont écarté école de situation ça l'obligé quand même parler de organisation Jeux Olympiques et oui. Même malheureusement, ça n'a pas empêché quand même, dans le déplacement de l'eau, des Français qui sont très remontés, qui interpellent lui, parfois même avec rudesse, même, nous capable de dire, qui demandaient de quel côté qu'ils voulaient mener le pays. Donc, en ce moment, le président l'obligé de livrer le corps et âme dans faire campagne, oui. Dans faire campagne pour empêcher que l'extrême droite prenne le pouvoir. Non. Voilà. Et puis, bon, c'est politique et sport. Donc, sport, là, toujours, c'est ça le côté monde. Tout le monde pratiquement rencontré. Et même si nous gagnons des divergences et politiques, mais là, ils viennent sous sport. Et nous viennent garder pays. Donc, on y a français, on y a campé pour supporter à tête français, particulièrement pour eux. Parce que nous parlons les grands ténors. Nous parlons la Chine, nous parlons les États-Unis. S'ils ont les grands ténors dans les Jeux Olympiques. Donc, très certainement, français, on parle campé derrière tête français pour eux. Sur qu'à aider. Pas d'un type de Kylian Mbappé actuellement, non. Parce que nous connaissons un pile fanatique, mais monsieur, et c'est peut-être mon abgade, monsieur, comme éventuellement prochain Lionel Messi français ou le prochain Ronaldo français. Kylian, pour ce soir, tout pour attendre dans quelques heures déjà, et capable de dire là, le acte d'entrée, oui. En Europe là, et qui frappait sur un gros choc nasal, donc obligé de faire un masque pour Kylian, et je dis à Kylian a bien responsabilité, et surtout en tant que capitaine, pour le prouver qu'il est un grand Kylian, et montrer qu'il est à la hauteur de cette tâche. Et nous pensons, il est entraîné, je crois. Oui, il est entraîné. Oui. Donc, du coup, Napton, Kylian, devant, je crois, c'est devant la Hollande ce soir. Ouais. C'est un très grand match. C'est un très grand match. Il a bien pile action dans le match là. Donc, n'espérez que la capoté couleur bleu blanc rouge là dans les bonnes positions parce que c'était pas convaincant le premier match de la France, c'était pas convaincant même si que il prend 3-1 mais quand même c'est avec un autogol et Kylian pas marqué là je dis à nous espérer que et problème n'en est un n'est pas empêcher que Kylian les marque je dis à pour le bonheur du foot parce que comme on se dit Jean-O, c'est futur Lionel Messi, c'est futur Cristiano Ronaldo. Donc il doit montrer que lui à la hauteur de gros titre ça yo déjà pour la Coupe du monde déjà, il déjà montré déjà mais là faut qu'il prouve encore une fois que il est capable de remporter Coupe d'Europe là avec le pays équipe française de football là. Mais faut pas fini toi d'accord le fait que Kylian Mbappé quitter Paris Saint-Germain et pour aller en fait dans Real Madrid éventuellement avec possibilité pour les combats qu'il manquait c'est une coupe des champions, une coupe d'Europe des nations, une coupe des pays, en fait une coupe européenne. Il manquait une coupe des champions européens et c'est peut-être ça qui justifie raison mais français pas pardonner le fait qu'il quittait Paris Saint-Germain mais il a remarqué que ça n'a pas marché dans Paris Saint-Germain c'est peut-être raison qui des l'agence on l'autre oui mais quand même pense que monsieur était une agence à que Real Madrid a balayé le cas, il n'a pas essayé jamais. Jao, il n'y a pas d'omelette sans casser les œufs. Et PSG, c'est un, en plus que c'est une machine à sous, PSG. Et pour entrer dans PSG, en tant que Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar, bon, pas
bagay que nous-mêmes nous pas connaît, qu'on pas qu'être pression psychologique, qu'on pas qu'être bagay qui a passé en dessous en notre club que nous pas connaît. Ouais. Et si nous faisons analyse de dernier discours Kylian Mbappé a, les trucs que bagay que le pape dit qui révèle même Jean Lionel Messi t'a dit, en plus le monde t'a dit ou t'a estimé que Lionel Messi c'est peut-être ses excuses là chercher. Donc il y a bagay que qu'a privé joyeux que nous-mêmes au grand public que nous pas connaît. Et Kylian, c'est vrai que il a remporté Ligue des Champions, mais un plus gros titre et football la bail surtout dans bois européen. Mais que ça pas empêché que Kylian était un grand joueur, il était toujours un grand joueur. Donc français, c'est vrai que PSG comme a dit Lionel Messi, c'est pas bon joueur qui pour faire gagner Ligue des Champions. Ouais. Ça c'est plus faut gagner ça relé sur une mentalité de champion. Et c'est peut-être c'est comme tu as dit ça, c'est recette ça que PSG pour trouver mentalité de champion ça qui fait que Kylian pas ni Lionel Messi échoué, Kylian échoué, Neymar aussi échoué, il n'est pas arrivé fait que Paris Saint-Germain un gros club comme ça qui vient dans le monde pas prendre tout ça. Bon, nous espérons que quand même un jour quand même Paris Saint-Germain pour investissement que vous faites à pas arriver pour un titre comme ça sans Kylian ou avec Kylian Mbappé. Voilà, c'est Gedeps. Nous remercions en pile et nous souhaitons bon séjour aux États-Unis. Merci. Et très bientôt, c'est nous qui avons la vie de l'autre bois. C'est porte la grande ouverte et ou un petit garçon qui c'est moi-même, ou carré Jean Vlé, captant nous, et qui à toute disposition, ou une communauté à SN de France là aussi qui croit qu'il y a un chaque jour qui adule nous. Et, ou même Jacqueline Bélizère. Donc c'est ça. Donc communauté à attendre pour que nous venions. Nous faisons même un petit omblé, on quelque chose pour parler de la voix de l'Amérique, pour expliquer au mieux la voix de l'Amérique, parce que c'est très important. Et le nom s'entend, mais il y a besoin plus d'explications pour connaître qui ça, pour qui ça nous implanter nous autant, nous investir autant dans la communauté, dans les communautés, pour Haïti autant. Il y a besoin de réponses parce que tout le temps, et à travers moi-même, il y a eu un problème, mais cette fois-ci, c'est Iconio qui a venu parler de ça, et nous souhaitons qu'un jour, on vienne, dans l'année, ça, même si possible, nous attendons les bras ouverts. Mais bon, on va commencer à sembler comme là, c'est tic-tac, pardon. Oui, bon. S'il faut que je prenne la main, je prends la main. Bon, pour être facile, je prends la main. De façon plus facile là, je prends la main. Mais je vais venir quand même, je vais pouvoir voir la communauté à l'autre bois quand même. Voilà, c'est là, avec invité nous, et Gedems, un correspondant à Paris, c'est l'autre bras droite là qui est à Paris, donc monsieur c'est le capoté toute nouvelle gain ça capable sur continent européen pour nous, surtout à Paris avec communauté haïtienne là. Et bien nous mettez fin à ce que ça nous fait chaque jour avec communauté haïtienne là, présent nous dans Facebook qui besoin qu'on ça cap passer tout. Je veux dire on te parle d'un petit peu de TPS, j'aimerais dire nous poser mes amis, font attendre prends patience. Il y a vienne pour nous. Président Biden qui pour le fond, l'autre annonce encore, m'pas compte qui s'allier. Ah ouais, c'est pas bon. Demande même des fois le cabinet ça mais pas ouais et un autre membre extrême droite qui était dans le cabinet démissionné mais monsieur demandé prévu simplement par un plan et après guerre Israël a été dit que le plan engagement si et peut mis en place signé ou si c'est le présent qui a pas arrivé détruit à Mars et bien lui même et la démissionné et la casse cabinet ça va même qui a pas chuté. Il y a un plan pour les détruire à masse, libérer otages israéliens qui n'ont même pas été à masse depuis octobre. Et dans le pays d'Haïti, c'est toujours remplacé. C'est un ancien directeur national et c'est Ramon Normin qui va remplacer. Déjà tout bas, toute disposition au point, etc. Mais et nous connaissons un pile et secteur détruit l'ancien directeur national là. Conservé peut-être en précédent. Pas de gré mettre un langage là sous l'administration là. Oui, je suis bien pile attaque, victime. Et que nous avons fait pour la remplacer. Parce que le meilleur Ramon Normin, c'est le bon.
Parce que lui-même tout, il y a un problème tout sur l'administration de Moïse, dans les études de la nationale. C'est tellement vrai qu'il y a un secteur qui est porté près de tout lui après la mort, bien assassinat, d'un étudiant dans l'école normale. Et au départ, il y a des policiers, il y a des policiers, c'est décrit à l'époque là, et les sacrements de l'aller, et c'est même une enfant. Et dans le Assemblé ces métiers d'après ça, on est déjà ici, on est rapporté. Il y a monsieur Damio, eh bien, il est bloqué là. Premièrement, compagnie qui est sorti avec la République Dominicaine, non. Pas venir retourner avec la République Dominicaine parce qu'il dit qu'il n'y a pas de visa. Ensuite, compagnie pas venir continuer avec eux pour aller. L'autre compagnie pas venir continuer avec eux pour mener au Nicaragua. Et donc, ça veut dire que ça a bloqué. Donc, il y a ça appelle urgent par les autorités haïtiennes et le nouveau ministre de l'Intérieur, Mme Dominique. Et bien, il y a été mis le message que mon journal en ligne était publié hier. Mais donc, je vais continuer de passer. Et je suis là haïtien à Quito, Équateur, pour prendre des dispositions pour que. Le dégager, le fouetter, on a bien ça fait vraiment des groupes concours gouvernement et pas trop bientôt pour que vous rapatriez et groupe pour partir ça. Alors, ça passe là. Nicaragua n'a pas été temps qui passe. Et il y a des gens qui ont annoncé que la sécurité, les compagnies aériennes qui ont pris sont Haïti pour mener Nicaragua. Parce que Nicaragua, ce n'est pas la destination finale. La destination finale là, c'est surtout de traverser pour tomber au Mexique et du Mexique. Je suis en train de faire des choses. Effectivement, qui l'est parce que pour pas contact qui fait parce que pas de vol direct entre Haïti avec Équateur. Donc, certainement, vous savez qu'on passe de l'autre côté en transit, à moins que le pont amène un vol direct qui sont là du pays Haïti à fréquer pour lui rapatrier, mais n'est pas de ça. Retourner la caille, retourner en Haïti. Ils sont après eux-mêmes tout le dénoncé, ils demandent aux autorités haïtiennes pour faire ça, qu'ils n'ont pas pour eux, c'est la même chose parce que tout ça, c'est la même fini, l'argent, c'est la même chose, tout ça fini, donc on va retourner demander pour les haïtiens et il semble que les gouvernements haïtiens, en fait, les gouvernements haïtiens, les nouveaux ministres africains, ils répondent à l'appel et à appel ça, qui va se faire, puis communauté haïtienne dans Miami. Comme il dit, ça se fait face à un gros inondation là, qui frappe sérieusement les autorités autour, locales, et ont des dispositions pour que la cité de monde continue avec le gouvernement. Parce que là, ça peut devenir. Et nous, ça est, le ministre de la République, et le ministre de la République, le ministre Je crois que c'est peut-être comme ça semaine là de commencer, mais quand même il y a toujours attention à fixer pour eux. Commencer comment le gouvernement commence à résultat, après mise à l'économie, rencontre tout avec famille et trois membres contacts des victimes récemment, qui est et ça me et là, on vit ensemble.
depuis un enfant, mais comme si ça était mouru, on va promettre pour l'ouvrir en enquête. Justement, bah, il me dit, et ça qui est passé dernièrement, pas plus qu'on pour savoir ça, comme on savait dire que face à la résultat d'enquête, qu'a mené pour qu'on ait cause de qui est-ce qui est responsable. Est-ce que monsieur était en mission? Si vous êtes en mission, pour ça que pas trop en fort. Et pour te courir, l'air est en besoin, et monsieur prend un retard. Je me dis la police depuis quelques jours, tu as mené une opération dans un an, il retourne dans un an encore, elle mène une opération de barbecue, mais jusqu'à présent, il n'y a pas de qui va être que les résultats sont ça passer exactement dans la voilà, et je vous remercie beaucoup de vous avec la par exemple, il a dit qu'il n'y a pas venir avec nous, il n'y a pas venir avec pas de tout et tout, pas de bagarre comme ça. Ça a fait pour mettre sous table là, mettre un bloc papier, et puis prendre notre même. Et puis il y a un bail aux plumes, et puis il y a une bouteille d'eau pour voir, mais pas qu'à même le monde, il fait bruit, etc., il y a une bataille pour avoir, etc. Donc c'est comme si on s'est appelé, c'est fait, il n'y a pas de prendre l'entrée là. On a pratiquement. Et non. Moi, je vois, c'est probable que l'ancien président ne doit pas tomber en bas sanction, ou bien ne doit prendre rien, aucune mesure contre lui, ou bien en probation, parce qu'il était une longue période de temps pour qu'il ne pas faire aucun des autres, que doit pas, comme son first time au fait d'État, ils ont des fois que ligué tout le monde avec la justice. Donc les capitaux de ça, donc il est capable de limiter la suspension, il y a plusieurs barrages que tu as fait sans balle de prison. Et s'il ne va pas en prison, mais c'est vraiment au moins minimum total. Ça qui est un bas qui va déranger le candidat et ancien président de Macron. Il dit même, il dit le pareil, il dit nous sommes encore, ça va faire avec le ministère, ça va faire avec le ministère. Donc, c'est